Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, tous bien. La recette d'aujourd'hui, c'est on va préparer les ailes de poulet avec des pommes de terre rondelles. Une recette très très facile. Alors on commence par laver les ailes de poulet avec du vinaigre blanc ou du citron. Alors les quantités, ça reste à votre choix. Ensuite, on coupe les pommes de terre rondelles, pas trop trop fines. Vous allez voir, la recette, elle est très très rapide à réaliser. Après, les pommes de terre, ça reste aussi à votre choix. Ça dépend, vous êtes combien à la maison. Et là, on va commencer par préparer la marinade. Alors, la marinade, une cuillère à soupe, non, pardon, une cuillère à café, la sauce tomate, tomate concentrée. On rajoute à peu près demi cuillère à café du curcuma, une cuillère à café, une bonne cuillère à café du curry. Alors le curry, comme vous le savez, ça se marie bien avec le poulet. Alors, on rajoute à peu près demi-cuillère à café du poivre. Le poivre, pareil, ça reste à votre choix. Pareil, ça dépend si vous aimez piquant ou non. On rajoute une cuillère à soupe du paprika. Une cuillère à café de la moutarde, ça donne du goût aussi avec le poulet. Un peu de sel. Une cuillère à café du gingembre en poudre. Alors, si vous le souhaitez, et ça serait bien, vous préparez la marinade la veille ou quelques heures à l'avance. Ensuite, 2 cuillères à soupe de l'huile. Et hop, on mélange. Et là, on râpe un peu de d'ail. Ensuite, on continue. Et là, on va revenir vers les pommes de terre qu'on a coupées tout à l'heure, rondelles. On les a déjà placées dans un moule. Alors, on rajoute les mêmes épices qu'on a utilisées avec le poulet. Curcuma, curry, paprika, sel, poivre. Ensuite, on finit avec par une cuillère à soupe de l'huile.
J'ai oublié tout à l'heure de traiter, en fait. Avec la marinade, on rajoute demi-cuillère à café du miel. Alors le miel normal, demi-cuillère à café du miel. Alors là, on commence à placer les ailes de poulet sur les pommes de terre. Ensuite, on rajoute le papier cuisson. Ensuite, l'aluminium. On les couvre. Ensuite, direction le four à 200 degrés. Alors, ça prend à peu près 45 minutes. Vous allez vérifier quand vous allez voir le poulet est déjà cuit avec les pommes de terre. On enlève le papier cuisson. Comme ça, on laisse les pommes de terre et le poulet dorer. Et là, j'arrive à la fin de cette vision-là. J'espère que vous allez essayer ma recette et vous allez la aimer. N'oubliez pas de mettre like à mes vidéos et la partager avec les amis. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. We've seen the worst in this.